Détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, vive tension ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont refusé d'adopter la loi d'habilitation. Manifestation de colère des exploitants miniers artisanaux de la cité de Luilou au Lualaba. La gouverneure intérimaire est descendue sur le lieu pour calmer la tension. Nous en parlons dans ce journal avec le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba, Josué Muyumba. Et en justice, la Cour de cassation siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort en appel et révision a ouvert le procès Matata ce lundi. L'ancien Premier ministre est poursuivi par le ministère public pour détournement de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. On commence à l'Assemblée nationale où la tension était vive ce lundi. Les députés nationaux ont refusé d'adopter la loi d'habilitation à cause de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les élus du peuple ne veulent pas aller en vacances parlementaires avant de se rassurer de la mise en œuvre de l'état de siège. Les détails dans cet élément. Nous pensons que, en tout cas, les vacances parlementaires en ce moment ici ne valent pas la peine. Ceux qui vont aller dans leur province comme en Ituri ou au Nord Kivu, eh ben, vous le savez, avec les libertés restreintes, comment vont-ils passer leurs vacances parlementaires? Et surtout, c'est de Rutshuru, par exemple, Bunagana est occupé. Ils vont aller faire quoi en vacances parlementaires? C'est inconcevable que l'Ouganda, avec qui nous avons signé des accords, bien entendu, et qu'aujourd'hui, que leurs militaires soient comme de faux transfuges et qu'ils livrent même nos plans. Eh bien, voilà, vous avez vu, Bunagana est sous occupation, non seulement de l'armée rwandaise, mais également de l'armée ougandaise qui a été très visible dans l'assaut de ces postes frontaliers. Et donc, voilà, la plénière d'aujourd'hui a avorté et le président Mbosso a accédé à la requête des députés, nous le pensons. Même s'il y aura cette plénière demain, elle est reportée à demain, nous espérons qu'il a déjà compris les préoccupations des députés nationaux de l'Ituri ainsi que du Nord Kivu. L'heure est grave et donc nous devons prendre nos responsabilités en main. Chacun dans l'institution où il se retrouve. Nous venons de l'apprendre dans un communiqué audio. Le porte-parole du gouverneur intérimaire du Nord Kivu évoque l'invasion de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles M23. Le général de brigade Sylvain Ekenge appelle la population au calme et promet que les FARDC se battront jusqu'au sacrifice suprême. Et justement, pour soutenir les FARDC qui sont au front, la fondation Mamadou Ndala a organisé une grande marche à Kipushi dans le Haut-Katanga pour dire non aux ennemis de la paix. Nous voudrons dire aux agresseurs, aux ennemis du peuple. À travers cette grande marche, la fondation Mamadou Ndala envoie de l'énergie positive aux forces armées congolaises qui vont jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale contre les agressions internes et externes. Unis comme un seul homme, toutes les forces vives de la cité de Kipushi se sont joints à la marche de la fondation Mamadou Ndala pour dire non aux atrocités à l'est de la RDC. La marche est partie du quartier Lumumba en passant par les avenues Inakuluba, Mobutu, Grand Mupula jusqu'au bureau du territoire où, au nom de la fondation, le président Moussa Ndala a remis un mémo à l'administrateur du territoire intérimaire, Jean-Jacques Tchola. L'amour n'existe pas. Il n'existe que le prince d'amour. Pour nos frères et sœurs qui se sacrifient à l'est du pays, notre seule façon de leur prouver notre amour, on doit le faire par ce genre de gestes. Et nous sommes venus leur dire que nous sommes venus. Loin de leur famille, ils ont le même sentiment que nous en avons.
Nous passons nos nuits dans nos chambres tranquillement et ils sont en train de transporter les caisses d'armement. Et c'est notre façon de leur dire que nous sommes avec eux. De son côté, l'administrateur du territoire se réjouit de l'initiative de la fondation qui porte le nom de Feu Mamadou Ndala, un grand officier de FRDC réputé pour sa bravoure. Il avait libéré la ville de Goma d'une incursion de la rébellion du M23 en novembre 2012. Et de son côté, la vice-ministre à la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, et la dynamique qui porte son nom a drainé du monde dans la commune de Lantielé. L'objectif était d'implorer le soutien du bon Dieu en faveur des forces armées de la RDC engagées au front dans l'est du pays avant de soutenir les femmes vendeuses des pains dans leur lutte pour le maintien de leur famille. La sécurité dans l'Est est partout au pays et c'est une question de tous. C'est dans cette optique que la vice-ministre à la Défense nationale, Séraphine Kiloubou-Koutouna, a sensibilisé une grande foule qu'elle a invitée à intercéder pour les forces armées de la RDC dans la commune de Lancelé. Cette masse a dit non à toutes sortes d'exactions étrangères et oui pour la paix prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un cœur compatissant, Séraphine Kiloubou s'est mise à la place de ses semblables aux vendeuses de pain. Elle a offert bassin ainsi qu'un moyen financier pour poursuivre leurs petites affaires et soulager tant soit peu la misère dans leurs familles respectives. Lutte engagée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose à présent, à la Chambre haute du Parlement, la sénatrice Victorine Louessé a adressé une question orale avec débat au ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Oukendé. Victorine Louessé est très dérangée par l'accord ayant fait de Goma justement un hub pour la compagnie d'aviation Rwandair. Les interrogations de la sénatrice sont d'autant plus légitimes quand on sait les rapports extrêmement tendus qui sont entretenus entre la RDC et les voisins frontaliers de l'Est. Depuis le mois d'avril dernier, Victorine Louessé recherche trois principaux éclaircissements. D'abord, si le projet de la mise en place d'une compagnie aérienne à la dimension du Grand Congo est abandonné avec cet accord faisant de Goma le principal hub de Rwandair. Ensuite, l'évolution, mieux, l'existence d'un projet gouvernemental dans le domaine du transport aérien. Enfin, la place des services de sécurité dans l'accord signé avec le Rwanda. La République, dans tous ses coins, est un coin bouillonne, puisqu'en réalité, Goma est aussi un symbole de la souveraineté et du savoir-faire des Congolais. Monsieur le ministre, nonobstant tout ce qui précède, il n'a pas pu faire fléchir la population de Goma. Un accord signé avec la République du Rwanda fait de Goma les principales herbes des Rwandais. Pour Victorine Louessé, Goma est une des fiertés de la RDC parce que bâtie grâce aux entrepreneurs locaux uniquement, contrairement à plusieurs autres villes dans le pays. La mettre dans une telle condition serait donc une mésaventure. Rassurant les élus, le ministre des Transports a obtenu 48 heures pour répondre à toutes les questions soulevées. Mardi, Chérubin Oukendé reviendra avec les éclaircissements réclamés. Et puis l'Alliance pour la réforme de la République salue chaleureusement l'arrivée du couple royal belge en RDC. Dans une déclaration faite dimanche, le présidium de l'ADR a réaffirmé son soutien aux forces armées de la RDC et recommandé au gouvernement de prendre des mesures militaires fermes pour riposter contre l'attaque rwandaise. Le présidium de l'Alliance pour la réforme de la République a exprimé son mécontentement suite à la énième agression rwandaise en République démocratique du Congo sous couvert de la rébellion du M23. Dans une déclaration faite dimanche 12 juin, la présidente de l'ADR, Henriette Tuamou, a souligné que des mesures fortes doivent être prises pour freiner l'élan de l'ennemi. Le présidium constate
avec amertume que notre pays, la République démocratique du Congo, est encore une fois de plus agressé par le Rwanda à travers le M23. Aussi, l'ADER apporte-t-elle un soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent courageusement pour défendre et protéger notre pays. Le gouvernement de la République est également appelé à prendre toutes les mesures énergiques devant mettre fin à l'hostilité guerrière de ce pays voisin à l'endroit de la République démocratique du Congo. Au président de la République, chef de l'État, l'ADER, tout en reconnaissant le mérite de ses efforts diplomatiques, lui rappelle qu'entre les États, la règle fondamentale est la réciprocité. L'a annoncé au sommaire la Cour de cassation siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, en appel et révision ouvert le procès Matata ce lundi. L'ancien premier ministre est poursuivi par le ministère public pour détournement de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. La citation à comparaître ayant été déposée en retard, l'audience a été reportée au 11 juillet, le temps de permettre à l'ancien premier ministre de regagner Kinshasa. Bon, je remercie énormément la Cour a estimé que l'espoir qui saisit M. Matata n'étant pas déposé régulièrement, ni n'étant pas, n'a pas atteint M. Matata, et donc la Cour a estimé qu'il faut renvoyer à la huitaine pour ses devoirs, notamment de permettre ici d'atteindre M. Matata. Nous avons des exceptions de préalables, parce que M. Matata est sorti officiellement de ce pays. Il a été renseigné par la DGM que M. Matata a été invité quelque part dans un pays étranger. Et donc, à notre niveau, nous pensons qu'au moment venu, nous allons devoir demander à la Cour une remise assez plus longue, parce qu'aujourd'hui, M. Matata est en train de continuer ses séances de désintoxication. Vous savez qu'il a déclaré qu'il a été empoisonné. Et donc son médecin, dans le pays où il se trouve, ne donne pas encore l'autorisation à M. Matata de venir à Kinshasa. Et donc vous savez que c'est quelqu'un déjà qui coopère avec la justice. La première fois, il était en Guinée quand il a décidé de venir pour répondre aux préoccupations de la justice. Et donc cette fois-ci, il est sorti officiellement, mais que ces moyens ne nous ont pas permis d'être, comment dirais-je, déposé devant la haute cour, parce que cette cour n'a pas pu accéder à la parole des avocats, étant donné que M. Matata est censé n'avoir pas été saisi. Donc nous attendons le moment venu que M. Matata soit saisi. À l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Mohindo Zangui a lancé l'ouverture des travaux de la 44e session du Conseil d'administration des universités du Congo ce lundi 13 juin à l'université de Kinshasa. C'était en présence de plusieurs recteurs et DG des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire. La salle Monseigneur Plévot de l'université de Kinshasa était le cadre qui a accueilli l'ouverture de la 44e session du Conseil d'administration des universités du Congo. Ces assises de 3 jours réuniront tous les dirigeants des universités et instituts publics de la RDC. En présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, les présidents du Conseil administratif des universités du Congo, recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembe, a pris la parole pour dresser son mot de bienvenue à toutes les autorités présentes. 8 ans après la dernière session, ces assises tablent sur les différents points, notamment l'examen et les rapports d'intercession, l'état des lieux des établissements, la situation des étudiants en médecine dans les universités fermées et la généralisation du système LMD. Nous les consignes au recteur et au conseil d'administration de ce qui doit être fait pour améliorer la qualité de l'enseignement. Puisque c'est ça le travail que le chef de l'État m'a donné. Il a dit, nous voulons avoir demain des gens qui sortent des universités, qui sont prêts à être utilisés et à participer à l'émergence de la République démocratique du Congo. Donc ça passe par la qualité. Et donc nous avons profité pour remercier le président intérimaire du conseil d'administration qui a, dans un délai très court, organisé cette session qui va permettre effectivement aux différents recteurs qui sont avec nous ici de redéfinir la nouvelle directive de comment on va faire les choses et de faire les activités administratives ordinaires.
Au cours de cette session extraordinaire, Moïno Nzangi a exhorté le recteur de pallier au problème du calendrier académique avant d'avoir déclaré ouverte la 44e session du Conseil d'administration des universités du Congo. Et puis, manifestation de colère des exploitants miniers artisanaux de la cité de Lulu. La gouverneure intérimaire du Lualaba est descendue sur le lieu pour calmer la tension. Attentionnée et soucieuse de voir son Lualaba dans un calme absolu, elle a rencontré les manifestants dimanche 12 juin à Lulu. Marie-Thérèse Masuka a apaisé les manifestants de manière diplomatique. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat du Lualaba, Josué Muyumba, bienvenue. Merci, merci, salam. Merci. Alors, quelle est la cause principale de ces soulèvements des exploitants miniers artisanaux? Bon, la cause principale, c'est le problème des zones d'exploitation minière artisanale, hein. Parce que les creuseurs, comme on aime les appeler là-bas, se sont retrouvés dans un site appartenant à une entreprise minière de la place. Ils ont commencé à prendre les minerais et ça a créé ce que vous avez entendu. La cause, c'est qu'il y a une centaine de zones d'exploitation minière artisanale répertoriées à travers toute la province du Lualaba, mais qui n'ont pas encore subi ce qu'on appelle la découverture pour que ça soit mis à la disposition de ces jeunes qui sont évalués actuellement au nombre de plus de 100 000 jeunes qui œuvrent, qui travaillent dans ce secteur. Maintenant, il n'y a pas longtemps, bon, je crois avant l'avènement de Mme Marie-Thérèse Masuka à la tête de la province, de l'exécutif provincial du Lualaba, il y avait une entreprise minière qui avait mis les moyens pour financer le processus de découverture pouvant permettre à ce que les exploitants miniers artisanaux puissent œuvrer en toute tranquillité et ne pas aller prendre les minerais dans les sites appartenant aux entreprises minières. C'est ça le problème, combien délicat, qui se pose dans ce problème, dans ce dossier de l'exploitation minière artisanale. Est-ce que la situation s'est-elle normalisée après le passage de Madame Masuka? Quelles sont les dispositions prises par l'exécutif provincial pour résoudre ce problème? Comme vous l'avez suivi hier, parce que ça s'est déroulé hier, donc le dimanche dernier, elle est descendue sur place. Comme vous savez, c'est un travail délicat, rencontrer les exploitants miniers artisanaux en colère. Et aussi, c'est un travail qui demande à l'autorité de pouvoir aussi sécuriser les investisseurs, les exploitants miniers qui sont des compatriotes, qui sont des jeunes, qui travaillent aussi, qui ont besoin de vivre. C'est un problème délicat. Elle est descendue, comme dans ses habitudes, elle a eu à convaincre tout le monde. Les jeunes qui étaient en colère se sont calmés. Au moment où je vous parle, les réunions se poursuivent pour accentuer l'obtention ou la mise à la disposition des creuseurs, les EA, propices pour leur permettre d'exploiter et de vivre et de faire vivre leur famille. Au moment où je vous parle, la situation est calme. La province a repris son cours. Bon, la ville a repris son cours normal. Mais José Muyumba, apparemment, c'est devenu une habitude au Lualaba, les manifestations des creuseurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à les maintenir? Vous n'arrivez pas à... Qu'est-ce qui se passe exactement? Depuis son avènement à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba, Marie-Thérèse a fourni un grand effort pour valoriser ses compatriotes. J'ai dit qu'ils sont évalués à plus de 100 000 jeunes qui œuvrent dans ce secteur. Et c'est un secteur autrefois qui ne produisait presque rien. Madame Marie-Thérèse a mis un dispositif musclé pour canaliser les recettes provenant de ce secteur. Aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, mais elle va y aboutir à cela parce que autrefois, ses compatriotes qui étaient minimisés, négligés, elle fait tout pour les valoriser. C'est pourquoi aujourd'hui,
elle les a surnommés, elle les appelle, elle a donné un nouveau nom pour cette catégorie de compatriotes. On ne doit plus les appeler creuseurs, ce sont des grands travailleurs. Parce que si vous voyez plus de 100 000 personnes qui payent aussi des taxes, ces 100 000 personnes, c'est pas facile à maîtriser. À la province, c'est pas facile, mais il y a un travail. Il y a le nouveau ministre, je crois que vous avez suivi, le ministre Mumba, qui est très ancré, qui est très connu dans le secteur de l'artisanat minier, avec Mme Marie-Thérèse Masuka, qui est très écoutée. Cette sagesse cumulée va faire en sorte que, et vous vous rendez compte que le calme est redevenu. Le calme est revenu dans ce secteur, dans la périphérie de Loulou, et la vie va continuer en attendant des solutions durables à ce problème. Oui, la vie continue. Justement, nous avons un message de Madame Marie-Thérèse Masuka au président de la République en ce grand jour au nom de tous les Lualabais. Je me joins à votre famille et aux millions des Congolais pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Puisse Dieu vous inspirer davantage dans les hautes directions de notre beau et grand pays. Poursuivons ce journal. En mission de service dans la province du Lualaba, Ahmed Kalège, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, a annoncé officiellement le lancement des missions de contrôleur auprès des entreprises principalement dans le secteur minier. C'était au cours d'un point de presse tenu dans la salle de conférence de la direction provinciale de l'ARPL Lualaba. Il est temps de relever le défi de l'émergence de la classe moyenne congolaise. L'entrevue avec l'autorité provinciale était le passage obligé pour rendre plus transparent la mise en application de la loi 17/001 du 2 février 2017, comme souhaité par le chef de l'État lors du dernier conseil de ministres. L'échange avec les différentes couches des sous-traitants a été porteur des vraies réalités du terrain, un constat alarmant. Les entreprises principales ne semble pas jouer le jeu comme il se doit. Parce que beaucoup de sous-traitants continuent à rencontrer des difficultés pour accéder au marché de sous-traitance. Et ceci est matérialisé par différents faits, notamment beaucoup d'entreprises principales ont créé ou établi des centrales d'achat à l'extérieur du pays. Ceci est une façon de contourner la loi. Les difficultés sont de plusieurs ordres, soit des langues pour plus d'accessibilité aux appels d'offres ou de discrimination. Face à la résistance, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé passe à la vitesse supérieure. Tirant conséquence de cela et en exécution des instructions de la haute hiérarchie, j'annonce solennellement aujourd'hui le lancement des missions de contrôle auprès de toutes ces entreprises donneuses d'ordre en vue de vérifier l'application effective de la loi sur la sous-traitance. Et aux affaires foncières, ce lundi 13 juin, le comité de pilotage de la réforme foncière a validé l'avant-projet de la nouvelle loi foncière sous la présidence du ministre des tutelles, Molendo Sakombi. Ce document attendra de passer le cap de l'adoption par le conseil de ministres avant sa transition au Parlement. L'avant-projet de la nouvelle loi foncière s'approche de son dernier virage. Le comité des pilotages a, au cours de sa 8e session 13 juin, à Pullman Hotel, statué sur les textes finaux de cet avant-projet de loi. En sa qualité de président du comité des pilotages, le ministre des Affaires foncières a souligné le caractère prépondérant qui rêvait cet avant-projet de loi foncière de ce qu'il permettra de remettre les pendules à l'heure dans son secteur. Pour notre ministère, il s'agit du pilier numéro 1 où il s'agit de la réinsertion socio-économique des vulnérables. Le titre de ce pilier est intitulé « Pacification du pays et promotion de la réconciliation et de la cohésion et de l'unité nationale ». Pour le ministère des Affaires sociales, il s'agit de s'atteler
à la réinsertion socio-économique des jeunes et des personnes vulnérables. Associé à cette réunion, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bezaïba, a salué les travaux élaborés jusqu'ici tout en formulant quelques suggestions à prendre en compte avant l'élaboration du document final, signalant que plusieurs innovations ont été apportées à travers cet avant-projet de loi, notamment l'adoption de la loi foncière par rapport au contexte juridique et institutionnel, pour ne citer que cela. Cette réunion a été élargie à la VPM de la Justice, au ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui de l'Aménagement du Territoire. Écho des partis politiques à présent, la commune de Massina a vibré ce week-end au rythme du parti Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialoussou-Kawata. Après sa tournée intercommunale, ce parti de masse assoit son idéologie dans tous les coins et recoins de Kinshasa. Exercice pas du tout difficile à Tchangou où le parti, vous allez le voir, est très populaire. À Massina, il n'y a qu'un seul parti politique pour la population et c'est l'ABG. Son autorité morale, Jonathan Bialoussou-Kawata, l'a encore démontré ce dimanche, toute la journée, avec des moments forts d'émotion et de communion. Dans la matinée, il ne passe pas inaperçu à la paroisse Cœur Immaculé, qui a souvent bénéficié de ses nombreux dons et assistances. Ce dimanche encore, il a offert des instruments tout neufs à la chorale de l'église. Massina 1, c'est chez Jonathan, et l'affection lui témoignée sur place n'est pas négociable. L'autorité morale de l'ABG bénéficie d'un carnaval à son arrivée comme à son retour après un échange franc avec sa base sur les enjeux de l'heure. La population lui a soumis ses inquiétudes par rapport au manque d'initiative de la part du gouvernement provincial dans ce coin et il a promis de transmettre le message à qui de droit. Et vous avez remarqué, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Il n'y a pas de commentaire. Je peux rassurer à tout le monde, et surtout au chef de l'État, et que Kinshasa est sous contrôle. Surtout Tchangou est sous contrôle de l'ABG et de Jonathan Wata. Il n'a qu'à rester calme, il n'a pas à s'inquiéter. Accompagné de la présidente de la Ligue des Femmes, ainsi que son nouveau représentant à Massina, Jonathan Bialoussou-Kawata s'est ensuite rendu à quartier 3, où il a procédé à l'installation d'un sectionnaire dans la grande joie de la population. Ici encore, c'est un grand moment de communion avec la base qui place en l'ABG une confiance sans faille. Après avoir bouclé tout Kinshasa, l'ABG rassure ses positions désormais dans tous les coins et recoins de la capitale. Partout où il passe, Jonathan Bialoussou-Kawata rencontre un succès fou et l'accord total de la population. D'un parti à un autre, le secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'UNC Moamba, Gabi Mambengi, a doté dimanche l'église Liloba de Ngaba des instruments de musique avant de se rendre compte de l'évolution des travaux de la remise en service de la cabine électrique Saint-Laurent qui va desservir quelques quartiers de Ngaba. C'est un secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la Nation Congolaise en charge des Moamba qui vient lier l'acte à la parole. En ce dimanche 12 juin 2022, Gabi Mabengi a visité tour à tour les églises Liloba de Ngaba 2 et Ngaba 3. Dans sa gibecière, les instruments de sonorisation et de musique, une façon de contribuer à l'émancipation de l'œuvre de Dieu pour ses lieutenants du président national de l'INC Vital Kamerhe. Nous avons acheté des instruments de très bonne qualité, les amplificateurs, le baffet, les micros, et j'en passe. Et aujourd'hui, l'église est contente. Donc voilà, c'est dans le cadre de soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je suis chrétien. Et surtout, moi, je suis un acteur politique. C'est dans le cadre de soutenir ma base. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui trouvent en Gabi Mambengi un homme de parole. L'occasion faisant les larrons, l'interfédéral adjoint de l'INC en charge de Moamba a visité la cabine électrique de Saint-Laurent qui sera bientôt remise en service grâce à son plaidoyer auprès des responsables de la SNEL, les travaux de réajustement des poteaux étant en cours. Cette réalisation va soulager les habitants des quartiers Mateba et Boulambemba dans la commune d'Engaba. Gabi Mabengi a promis de rester plus proche de sa base naturelle, comme le veut si bien la hiérarchie du parti.
Et puis le verdict sur le conflit post-électoral dans la province de la Mongala sera connu ce mercredi 15 juin. La décision a été prise au cours de l'audience ce lundi au Conseil d'État dans l'affaire opposant le gouverneur élu César Limbaya et son challenger Aimé Bokungu. Maître Likolo Baya John, avocat de César Limbaya, dénonce l'injustice envers son client. Il exhorte le Conseil d'État à bien faire son travail. Le procès opposant le gouverneur élu de la Mongala, César Limbaya, et son challenger, Aimé Bokungu, s'est poursuivi ce lundi 13 juin au Conseil d'État. Maître Likolo Baya, bâtonnier de l'ordre et avocat du gouverneur élu, a dénoncé l'injustice envers son client au cours de cette audience. Le procès d'aujourd'hui, nous étions un collectif en train de défendre le gouverneur élu de la Mongala avec 13 voix sur 20, Maître César Limbaya Bagissa, qui a été investi de manière injuste par l'arrêt sous REA 183, qui n'a pas rempli les conditions d'un arrêt comme tel du Conseil d'État. Nous sommes venus en procédure de révision, puisque nous estimons qu'il y a eu des violations de la loi quant au prononcé, quant à la tenue des audiences, mais également que lorsqu'on était en train de rendre cet arrêt, nous n'étions pas en mesure de présenter des pièces que nous estimions très importantes pour cette procédure-là. Les procès-verbaux sur lesquels s'est basé le premier juge, notamment sous REA 183, ces procès-verbaux sont des documents faux. En attendant le verdict du Conseil d'État qui pourra remettre César Limbaya dans ses droits, le bâtonnier de l'ordre attend du Conseil d'État un verdict juste, c'est-à-dire celui qui va remettre César Limbaya dans ses droits. Ce que nous attendons, que le Conseil d'État puisse reconnaître que M. Limbaya a gagné avec 13 voix sur 20 et ne peut pas donner le gouvernorat à celui qui a obtenu 6, si ce n'est de lui dire d'attendre que la prochaine fois. Signalons que cette décision finale sera connue le mercredi 15 juin 2022. Et puis le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Mujani Freebox a tenu un forum économique dimanche dans la commune de Ngaliema avec les membres de la SBL ADC. Il était question de prêcher le projet Nayabisonde qui consiste à consommer congolais. C'est plus de 300 personnes qui ont été sensibilisées ce dimanche 12 juin 2022 par le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Nous sommes au quartier Ngomba Kinsuka, commune d'Engaliema. Mami Mujani Freebox, présidente de MIFDA et les siens, sont venus parler aux membres de l'ASBEL ADC du projet Yabisonde qui consiste à consommer congolais et professionnaliser les chaînes de valeur dans l'agroalimentaire. Il faut passer par une formation sur l'entrepreneuriat et la gestion financière est requise avant l'accompagnement des Kitu BCDC pour financement. Sur place, quelques entrepreneurs œuvrant dans les secteurs ont été enregistrés. Aujourd'hui, nous avons pu enregistrer 600 entrepreneurs qui seront accompagnés par MIFDA, dont 100 jeunes qui seront déployés comme sous-agents dans le cadre de notre partenariat avec la banque Equity BCDC qui a accepté de nous accompagner. Notons que le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a pour mission de participer à la transformation sociale par la création de la classe moyenne. Et il compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national. JDK, nouvelle société d'achat et vente des véhicules en République démocratique du Congo, propose ses services à tous les intéressés pour leur satisfaire. Plusieurs clients interrogés sur place ont remercié l'entreprise et sollicitent l'accompagnement des autorités. Congo Business, l'entreprise de vente des véhicules, expert en import et export, à part la présente cérémonie, présentait le produit des marques des véhicules tels que Toyota IST, Toyota arrière, Mark X, pour ne citer que cela. La qualité de ce service a permis aux clients de les reconnaître et d'en témoigner. Une journée de satisfaction pour moi parce que ça fait un temps que je commandais le véhicule chez Congo Business. Et aujourd'hui, j'ai été livré et voilà, la voiture, elle est là. Je suis très satisfait du service. En tout cas, au départ, il y avait un peu de doute, mais au fur et à mesure, la confiance s'est installée et cela s'est matérialisé par la livraison de la voiture. Congo Business est aussi une agence de voyage qui veut travailler à la satisfaction de ses clients. Nous assistons les gens pour
le visa et nous vendons de véhicules sur commande. Aujourd'hui, il y a eu remise de véhicules de gens qui ont commandé il y a 3 mois et aujourd'hui, ils ont reçu leur véhicule. Là, ça dépend des marques de véhicules, mais en général, on paye 40% la commande et le reste, c'est à payer dans plus ou moins 2 mois pour nous permettre le dédouanement. En tout cas, n'hésitez pas, venez, nous sommes ouverts pour vous. Venez, vous serez satisfait. Selon les clients sur place, à chaque service rendu, la satisfaction est assurée. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La tension a été vive ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont refusé d'adopter la loi d'habilitation. Manifestation de colère des exploitants miniers artisanaux de la cité de Lulu au Lualaba. La gouverneure intérimaire est descendue sur le lieu pour calmer la tension. Et en justice, la Cour de cassation siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort en appel et révision a ouvert le procès Matata ce lundi. L'ancien Premier ministre est poursuivi par le ministère public pour détournement de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue.